fait quoi? Quand? Comment? Télé-Caraïbes est partout naturellement. Vendelive couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vendelive en toute ponctualité. Vendelive, nous sommes directement présents dans tous les événements. Radio Télévision Caraïbes, bonjour, bonsoir tout le monde. Là, nous sommes au niveau Juvena, côté la police qui a intercepté un véhicule. C'est un Nissan Patrol de couleur blanche, immatriculé SE-02601. Et il a semblé que monsieur a essayé de faire une tentative de kidnapping dans le niveau Canapé Vert, zone hôtel Iguana. Eh bien, Iguana Café, monsieur le arrivé dans le niveau Juvena, la police dans le checkpoint de Kembe et véhicule ça. Et il a uniforme la police, botte, gagné, chargeur. Nous ne connaissons pas les armes dans la machine, mais j'en ai regardé. C'est un Nissan Patrol de couleur blanche qui nous dit qu'il est arrivé stoppé par la police. Monsieur qui tape et fait une tentative kidnapping, là il est bloqué au niveau Juvena. Et faut nous dit que monsieur prend la fuite, lui-même il pas arrêté puisque il était remarqué et police qui t'a fait check là, il descend, il courir. D'après information que nous gagnons, c'est quatre individus qui étaient à bord véhicule là et qui courir, la police pas arrivé prend yo, mais là il a prend uniforme gilet Jean Noël là, police administrative de couleur fluorescente, képi, gain botte dans machine là. Juge de paix a fait constat et puis nous-mêmes nous sur place n'a pas cherché gain information, plus information pour vous même téléspectateurs internautes radio télévision Caraïbes. Selon l'information que nous recueillons sous papier, c'est le maire Hubert Junior que nous avons sous papier. Je rejoins nos chargeurs. Je rejoins nos chargeurs et ça c'est les armes gros calibre. Chargeur ça c'est chargeur et les armes gros calibre. Ça les guitares, manches longues. Est-ce que il y a des armes dans la machine? Nous ne connaissons pas. Nous allons regarder. C'est toujours uniforme. Comme la police avec yo gagne te gagne la machine en botte gagne un bag va connait ça qui la donne ça semble que bag la vide se va fouiller là police va fouiller bag la pour ouais c'est ça qui dans bag ça.
l'assemblée bec yo vide deux bec monsieur rejoint en deux machines là. Géofa Adan et vous checkez tout en des machines là, vous pas joindre zame mais vous joindre uniforme, vous joindre un chargeur gros calibre. J'en nous connaît déjà en Haïti, le bas exam ça a plusieurs noms, gain qui est le manche long, le guitare. Là nous sous place, après plus que nous n'en cadre une machine que la police avait intercepter au niveau Juvena, c'est un Nissan Patrol de couleur blanche, service de l'État. Immatriculé SE-02602. Là, nous, d'après l'information que nous avons, première information, c'est que monsieur a fait tentative pour faire un kidnapping dans le niveau de canapé vert, zone Iguana Café. Bien, que vous avez raté. Et dans la montée, là, vous avez joué une patrouille policière qui a fait un checkpoint. Et vous avez campé, vous avez quitté la machine. Il prend la fuite et la police court derrière eux, mais on va arriver qu'un des messieurs là yo qu'un des machines là et après checker regarder qui ça rejoindre nous même nous sur place radio télévision Caraïbes pour nous regarder pour nous regarder avec la police juge de paix qui là qui ça que rejoindre dans machine si là. Trois paires bottes, un chargeur, un petit Florida, un petit parfum pour Omio. Et c'est là, on a mis un bout avec Event de Live ça et on a rappelé que nous étions au niveau Juvena et c'est magistrat Cléofa Nancy qui est dans le tribunal Pétionville. Et voilà, policier qui prend Nissan Patrol là, il va aller avec lui. On a rappelé que Nissan Patrol ça, on a regardé là, immatriculé SE-02601, c'est un Nissan Patrol. Qui t'a fait une tentative de kidnapping dans le niveau canapé vert, zone Iguana Café. Bien, et la police qui t'a fait une fouille, qui t'a fait un checkpoint dans le niveau Juvena. Le monsieur arrivé là, il est obligé de quitter la machine, il est couru. Et la police prend la machine, il prend tout ça qui était là-dedans. Et il joint un chargeur M4. On a rappelé que la machine ça, elle est sous nom. Le maire Hubert Junior, c'est non ça que nous avons remarqué sous papier qui était dans la machine. Voilà, c'est là, mettons bout avec 22 live, ça qui était possible grâce à support toute équipe, la caméra réalisation Malaïko Sénégal, micro présentation toujours moi-même Malaïko Sénégal. Puis, il y a toute équipe technique, là, on a la rôle Jean Dalmir Junior, Saint-Anne Junior, Ferdinand Pedro, Yana Elbedo, Original Robertson, Misuel Timothée, Calin Trizil, pour Internet, là, John Boagendeke et Jobo. Sous supervision PDG, nous, M. Patrick Monsignac, notre PDG, Marc Anderson Brega, notre coach Grégory Jean-Philippe. Je vous remercie pour fidélité à Radio Télévision Caraïbe et à très bientôt pour une autre peine de live. Qui fait quoi, quand, comment Télé-Caraïbe est partout naturellement. Peine de live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Peine de live en toute ponctualité. Peine de live, nous sommes directement présents dans tous les événements.